Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde vraiment qui nous suit de partout et les gens vraiment qui arrivent. Nous sommes vraiment très bénis dans cette soirée de vous recevoir ici. Et j'aimerais déjà, si vous êtes là, commencer vraiment à faire des choses qui est vraiment très important. Commencer à partager déjà les directs et commencer à notifier que vous êtes là. Vous pouvez commencer à notifier que vous êtes là et vous pouvez commencer déjà à partager ces directs de ce soir. Je suis sûr que le Dieu d'Israël nous fera énormément du bien et nous serons vraiment très bénis avec notre thème comme il a été vraiment annoncé, les étapes qui mènent à l'onction. Déjà, j'aimerais que toi, tu es là, commence à partager et commence à notifier déjà que tu es là et commence vraiment à partager pendant que nous partageons vraiment l'Éternel nous fait déjà énormément du bien. J'aimerais là où tu es, commence à partager, commence à partager, commence à partager, commence à partager déjà les directs. Et partage dans plusieurs groupes, dans tout le groupe que tu es abonné, partage, identifie tes amis, partage dans différents groupes. Et j'en suis sûr que le Dieu de gloire nous fera énormément du bien. Commence à partager là où tu es. Je salue déjà les personnes qui sont en train d'arriver. Nous disons que nous sommes en train de partager les directs et nous sommes en train de notifier. Commencez à notifier que vous êtes là et commencez vraiment déjà à partager. J'aimerais que nous soyons nombreux aujourd'hui. Nous allons tous bénéficier des choses que l'Éternel a mises à cœur, que l'Éternel a donné des lumières, afin que nous puissions le partager ensemble. Et nous allons faire une très forte prière à la fin. Et je sais que le Dieu de gloire nous fera énormément du bien. Alors là où tu es, commence à partager, commence à partager, commence à notifier, commence à écrire que tu es là. Nous allons déjà savoir que tu es là. Commence à notifier que tu es là et commence à partager déjà les directs. Comme moi déjà là, je commence à partager. Partage ensemble avec moi ces directs. J'en suis sûr que l'Éternel nous fera énormément du bien. L'Éternel nous fera énormément du bien. Commence à partager là où tu es. Oh Jesus. Si toute chose va bien, notifiez-nous vraiment que toute chose vraiment va bien. Je suis sûr que le son est bon et l'image est bonne. Vraiment, veuillez nous notifier. Et nous aimerions rappeler à toutes les personnes qui arrivent là maintenant, nous faisons des choses, nous partageons les directs. Nous allons partager les directs et nous allons écrire et notifier que nous sommes là, présent vraiment dans ces directs ensemble avec nous. Commencez à partager, à écrire que nous sommes ensemble avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette soirée? Est-ce que quelqu'un a notifié? Quelqu'un a écrit? Quelqu'un a écrit son nom? Est-ce que quelqu'un a partagé? Si seulement tu partages, écris, écris déjà vraiment que tu as Est-ce que partagé. quelqu'un a notifié, quelqu'un a écrit son nom,
Est-ce que quelqu'un a partagé? Si seulement tu partages, écris déjà vraiment que tu as partagé. Ok, je pense avant de commencer, nous allons célébrer, nous allons louer l'Éternel dans quelques minutes. Et j'aimerais que là où tu es, tu vas aussi chanter, tu vas louer l'Éternel ensemble avec moi. J'en suis sûr que le Dieu de gloire nous fera énormément vraiment du bien. Nous allons louer l'Éternel. Commence à célébrer, commence à adorer Dieu là où tu es. Avant que nous puissions commencer vraiment notre direct, commence à célébrer. Il est le Dieu de gloire, il t'a protégé, il t'a gardé. Commence à les louer. Commence à célébrer Dieu. Célébrer Dieu ensemble. Nous sommes vraiment très bénis. Nous sommes vraiment bénis de vous tous qui venez vraiment de partout là pour commencer vraiment ce direct avec nous. Vraiment, nous vous disons aujourd'hui, nous faisons des choses très importantes. Nous partageons. Et nous allons identifier nos contacts. Nous allons notifier vraiment que nous sommes ici présents. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent commencer à se manifester, écrire déjà qu'ils sont là et nous allons vraiment commencer. Et nous, je crois que le Dieu de gloire nous fera énormément du bien. Et je crois que je vais prier et puis nous allons commencer. Éternel, ô Dieu d'Israël, je te remercie et je te rends grâce parce que tu es parmi nous et j'espère
que c'est ton temps, Seigneur, afin que tu puisses communiquer encore à ton peuple, que tu puisses encore nous accorder des lumières, que tu puisses encore élargir nos connaissances, nos états d'âme, nos états d'esprit, nos corps, nos esprits et nos âmes, afin que nous soyons édifiés par toi, que nous puissions arriver à la perfection de devenir comme Christ. Nous aimerions que le Dieu de gloire, que le Dieu qui donne l'onction, puisse nous faire énormément du bien, et je déclare et je décrète pour toute personne qui va suivre ce Dieu Tout-Puissant, ces lives, que ce soit maintenant en direct ou après, qu'il soit visité par la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous fait énormément du bien. J'ai dit Amen. Nous sommes vraiment là, déjà là, et nous allons vraiment commencer notre direct d'aujourd'hui avec cette séance de partage. Et puis on aura un moment de prière, un moment très fort de prière. Je crois que le Dieu de gloire nous fera énormément du bien. Je crois que le Dieu de gloire nous fera énormément du bien. Continue vraiment à partager. Réveille les personnes qui sont endormies. Tu vas les réveiller pour lui dire que nous sommes déjà vraiment en direct. Et le Dieu de gloire nous fera énormément du bien. Et ce soir, j'ai parlé vraiment d'un thème très intéressant, très important même, qui est les étapes qui mènent à l'onction. Les étapes qui mènent à l'onction. Là où tu es, tu vas commencer à taper dans ton clavier, dans le commentaire, les étapes qui mènent à l'onction. Tu vas taper dans le commentaire là-bas et tu vas notifier, écrire que les étapes qui mènent à l'onction, pour savoir que nous sommes vraiment ensemble. Tu vas écrire et tu vas écrire aussi dans le commentaire, tu mettras, tu vas écrire que les étapes qui mènent à l'onction. Et précieux peuple de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais parler vraiment. J'aimerais naviguer autour de ces thèmes parce que c'est quelque chose qui est indispensable. L'onction est l'élément qui est indispensable chez les chrétiens. La Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront les hommes et les femmes qui auront cru en Christ. Alors toi, donc à toutes les personnes qui a été créée de nouveau, qui a cru en Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle maintenant chrétien. Avoir l'onction, c'est indispensable. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très important. Parce que la Bible nous dit là-bas, à la fin, ils chasseront le démon. Ils chasseront le démon. Donc, chasser les démons, ce n'est pas seulement le problème des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu. Mais tout chrétien doit avoir la capacité de chasser les démons. Alors, d'où vient cette capacité-là? C'est lorsque maintenant nous parlons de l'onction. C'est lorsque maintenant nous allons parler de l'onction. Et dans cette soirée, je crois que je vais parler des éléments très basique qui va t'aider à comprendre vraiment les choses de l'onction, comment les choses de l'onction marchent. On va parler vraiment des éléments très basiques afin que vous puissiez bien comprendre les choses que nous allons vraiment parler pour cette soirée. Et je vous propose déjà vraiment les écritures là. Je vais lire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20 au verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 au verset 27. La Bible est en train de dire que pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Je recommence encore en disant, j'ai dit, la Bible déclare, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tout des connaissances. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous a été donnés. Là, vraiment, c'est dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20 au verset 26. Alors, je vais prendre un deuxième texte rapidement et nous allons vraiment commencer. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 10 au verset 13. 1 Samuel, les gens qui ont des Bibles tout près, ils pourront commencer déjà à prendre des Bibles. Nous allons lire et nous allons évoluer vraiment ensemble comme ça. 1 Samuel 16, le verset 1 Samuel 16, le verset 10 au verset 13. La Bible est en train de déclarer que Esaïe fit passer ses sept fils devant Samuel et Samuel dit à Esaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Esaïe, sont-ils
tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Ésaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. Dans la version Thomson, il est écrit que Samuel lui donna l'onction au milieu de ses frères. Dans la version Thomson, il est écrit Samuel lui donna l'onction. Prends ta Bible à côté de toi, nous lisons et nous allons vraiment évoluer. J'aimerais que là où tu es, tu prends ton agenda et nous allons vraiment avoir plus de lumière, que ce soit toi, que ce soit toi, moi et l'Éternel. Je crois qu'il va nous visiter, il va nous visiter. Et précieux peuple de Dieu, je disais qu'aujourd'hui, je parlais des étapes qui mènent à l'onction. Mais je crois que ça serait basique de commencer d'abord à parler, mon frère Messi Kitenge, vraiment je vous salue, je crois que vous êtes branchés déjà là. Je crois que ça serait basique de commencer d'abord à parler sur l'onction. C'est quoi l'onction? Nous allons d'abord comprendre c'est quoi l'onction afin que nous puissions commencer à entrer dans le vif du sujet. Et je crois que l'Éternel nous fera énormément du bien. Et l'onction, par définition très basique, afin que nous puissions commencer, l'onction est l'action de oindre, c'est-à-dire de répandre l'huile sur une personne, dans un milieu aussi. Je recommence encore cette petite définition basique afin que nous puissions comprendre les choses. Je disais que l'onction est l'action de oindre, c'est-à-dire de répandre l'huile sur une personne, sur un objet et dans un milieu. Donc il y a trois dimensions là. Donc cette huile ne peut pas seulement être répandue sur des personnes, mais cette huile peut aussi être répandue sur des objets. Elle peut aussi être aspergée dans un milieu. Et tout cela, toute cette cérémonie là, on l'appelle vraiment que c'est ça l'onction, hein? Cette action de oindre. Alors vraiment, lorsque nous parlons d'onction, nous voyons plusieurs usages de l'onction. L'onction a plusieurs usages que parfois nous mélangeons des choses, c'est pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre certaines choses. L'onction a plusieurs usages. Alors je vais vous parler d'abord de deux usages que nous allons comprendre et nous allons avancer. La première usage que j'aimerais parler, c'est l'usage profane. Donc cela veut dire que la manière dont tout le monde sont en train de considérer cette cérémonie, de prendre de l'huile et de les déverser sur une personne, sur un objet, comment est-ce que les gens de ce monde, les gens sont en train de considérer cette cérémonie-là? C'est ça qu'on appelle l'usage profane. Et l'usage profane, qualifier de cette cérémonie comme onction. Premièrement, elle était comme remède ou pour adoucir les plaies. Vous allez comprendre que cette même huile, cette même cérémonie était utilisée comme remède ou pour adoucir le plaie. Vous allez le voir dans Ésaïe 1, le verset 6. Et deuxièmement, cette huile, elle était encore utilisée pour embaumer les morts. Pour embaumer les morts. Vous allez voir cela dans Luc chapitre 23, le verset 56. Troisièmement, vous allez le voir, cette huile, cette cérémonie était identifiée sous forme comme un signe de référence pour rendre honneur et témoigner le respect à quelqu'un ou quelque chose. Vous allez trouver cela dans Psaume 23, le verset 25. Si vous comprenez toutes ces trois dimensions, c'est l'usage de cette huile, mais comme toute personne peut les considérer normalement.
Et donc, quand tu verras quelqu'un prendre de l'huile pour adoucir la plaie qu'il a à sa jambe, il ne faut pas penser que cet homme-là a acquis l'onction. Donc, il y a ce qu'on appelle l'usage profane. Et deuxièmement, je parlais de l'usage religieux. Donc, comment est-ce que le religieux considère cette cérémonie de répandre l'huile sur un objet, sur une personne, dans un milieu? Comment est-ce que cet usage-là, nous pouvons vraiment le qualifier, cet usage religieux? Et la première usage religieux, nous pouvons parler, est le personnage ou les objets devenaient sacrés du moment où l'huile était posée par une autorité spirituelle. Donc, le personnage ou les objets devenaient sacrés du moment où l'huile entrer en contact avec la personne ou l'objet, donc du moment que l'huile entrait en contact et cet objet ou cette personne devenait sacré. Mais cette huile devait s'y introduire dans la personne par une autorité, par une autorité qui est spirituelle. Pour te dire que si tu prends, tu appelles ton petit frère, tu es à la maison, et tu prends l'huile, tu lui dis non, non, déverse sur ma tête et tu penses que tu auras l'onction. Non. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est acquéri, quelque chose que l'on reçoit des autorités qui sont spirituelles. Ça peut être ton pasteur, ça peut être quelqu'un qui est plus expérimenté de plus que toi dans le monde spirituel. Ça peut être un mentor, ça peut être un prophète majeur, ça peut être un homme de Dieu, un pasteur, un apôtre, un évangéliste puissant. Donc, le fait qu'il prend cette huile et déverse sur ta tête, déverse quelque part, c'est pas moi, dans les temples, nous pouvons prendre, il déverse ça dans le chandelier. Simultanément, déjà là, ça devenait sainte. Ça devenait quelque chose de sainte. Ce n'était pas quelque chose de normal, mais ça devenait quelque chose de sacré. Pour dire que ça n'a pas la même valeur avant que cet contact puisse y exister. Que ça n'a pas encore la même valeur avant que cet contact puisse entrer. Alors là, c'est le premier, ça c'est le premier usage dans le donc ça c'est le premier point dans l'usage religieux. Le deuxième point, vous allez voir que dans l'usage religieux, on pouvait voir aussi l'onction, cette cérémonie servait de protection. Donc servait de protection. Vous allez voir dans 2 Samuel le verset 12. Dans 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 1, on est en train de nous parler de comment est-ce que le sacrificateur oignait le bouclier parce que les soldats devaient aller au combat. Et cette huile était en train de servir comme quelque chose d'une protection, quelque chose d'une protection. Je crois que je vais bien expliquer lorsque nous allons avancer et vous allez comprendre. Vous allez voir toujours dans usage religieux, le troisième point. Vous allez voir que Moïse envoie les objets qui devaient servir au temple. Pour déjà vous sortir vraiment, peuple de Dieu, cette confusion, qu'on ne oint pas seulement le personne. On ne oint pas seulement le personne, mais on oint aussi les objets. Surtout les objets sacrés qui doivent servir au temple. Hein? Surtout les objets sacrés qui doivent servir au temple. Et cet usage, que cette cérémonie-là, ce n'est pas l'usage profane, mais c'est l'usage qui est religieux. Je crois que nous allons vraiment continuer. Si vous êtes là, vraiment, commencez à partager les directs. Et ça, ce n'était que l'introduction. Commencez à partager les directs et commencez déjà à notifier dans le commentaire que vous êtes là et nous allons vraiment avancer et entrer vraiment dans le vif du sujet. Et nous parlons vraiment de l'onction ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je crois que je vais entrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais annoncer quelques définitions sur l'onction que nous allons partager autour, que nous allons partager au cours, autour. Prends ton carnet, nous écrivons toujours ensemble. La première définition très importante que j'aimerais que tu puisses retenir et que tu puisses noter, l'onction
est l'action par laquelle Dieu communique son esprit. L'onction est l'action par laquelle Dieu communique son esprit. Et par conséquent, une puissance ou une autorité surnaturelle. L'onction est l'action par laquelle Dieu communique son esprit. Et lorsque Dieu communique son esprit, comme c'est l'onction, il y a une conséquence. Et par conséquent, il y a une puissance ou une autorité surnaturelle qui s'est faite à ce moment-là même précis. Et vous allez voir dans Ésaïe 61, le verset 1. Ésaïe 61, le verset 1. Vous allez voir que Élisée était oint par Élie. Pourquoi est-ce que Élisée était oint par Élie? J'ai dit déjà là-bas au début que et c'est une cérémonie d'huile que nous recevons par les autorités qui sont spirituelles. Et Élie était l'autorité spirituelle d'Élisée. Alors, pour que Élisée puisse recevoir, une puissance, pour que Élisée puisse opérer dans des dimensions que Élie pouvait opérer, même dans des dimensions qui étaient au-delà de ce que Élie avait opéré. Il avait besoin de cette capacité, de ce pouvoir surnaturel. Et ce pouvoir surnaturel, c'est ce qui l'a donné la capacité de faire doublement les choses que son maître a fait. C'est cette capacité surnaturelle qu'il a permis lorsqu'il était en train de revenir. Le fils des prophètes en regardant et dit que non, l'esprit de Élie repose maintenant sur Élisée. Vous voyez un peu, vous comprenez maintenant les histoires de l'onction. Ça, c'est la première toute définition. Deuxième définition, est une capacité surnaturelle que Dieu donne pour effectuer un travail ou une mission. Est une capacité surnaturelle que Dieu donne pour effectuer un travail ou une mission. Vous allez voir dans le livre que nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible est en train de nous expliquer comment est-ce que le prophète Samuel était allé pour donner de l'onction à David, l'onction de la royauté. Et cette cérémonie est en train de nous donner cette capacité dans le domaine surnaturel, cette capacité surnaturelle. Vous allez voir, vous allez trouver cela même dans Ésaïe 45, le verset 1. Dès que vous lisez, vous allez comprendre. On descend vraiment pour aller vite, je ne vais pas lire toute chose. L'onction est la main invisible de Dieu derrière la main visible de l'homme. C'est fort. L'onction est la main invisible de Dieu qui agit à travers la main visible de l'homme. Pour comprendre, vous allez comprendre que vous avez des mains comme le mien. Nous tous, nous avons des mains. Nous tous, vous et moi, nous possédons des mains. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que nous voyons des vidéos et nous allons voir des grands serviteurs de Dieu comme Benny Hinn dans une croisade des paralytiques, il va juste lever la main et ou soit il va dire seulement de ce côté-là, toutes les personnes qui vont là-bas, s'il y a un paralytique, maintenant que ce paralytique puisse marcher. C'est Benny Hinn qui dit que j'ordonne que ce paralytique puisse marcher. Qu'est-ce qui fera en sorte qu'il étend juste la main comme ça et le paralytique marche? Pour vous dire que ce n'est pas la main de Benny Hinn qui agit. L'onction est la main invisible de Dieu. Cette capacité surnaturelle qui est invisible de Dieu, mais qui agit derrière le parole, qui agit derrière la main qui est visible de l'homme.
Et j'aimerais là où tu es vraiment que l'Éternel puisse commencer à t'affecter. Aujourd'hui, tu vas recevoir ton onction. Il y aura une main invisible qui va commencer à agir derrière ta main. Quand tu prieras pour un malade, quand tu toucheras quelqu'un pour prier pour lui, quand tu toucheras un paralytique, cette paralytique va marcher parce que ce n'est pas ta main qui va commencer à faire marcher le paralytique, mais c'est la main invisible de Dieu qui va commencer à faire marcher ce paralytique-là. Ensuite, tu crois avec moi, commence à écrire dans les commentaires en disant Amen, je reçois. Et nous allons vraiment évoluer. Et j'ai dit que l'onction est la main invisible de Dieu derrière la main visible de l'homme. L'onction est le divin dans l'humain. Le divin, vraiment, c'est fort. Le divin dans l'humain. Le divin. Donc, cela veut dire que les choses qui concernent Dieu, le divin, le surnaturel, qui concerne Dieu, commence à agir à travers de toi parce que toi tu es physiquement, toi tu es humain. Vous allez comprendre que lorsque le grand homme de Dieu sont en train de faire, par exemple, des services de guérison, nous voyons vraiment comme des Benny-Hing, des gens qui font vraiment des croisades, des paralytiques. Il est là. Dieu utilise le corps de Benny Hinn pour faire le paralytique. Imaginez-vous, si le corps de Benny Hinn n'est pas là, le miracle ne peut pas s'opérer comme c'est en train de s'opérer là maintenant. Mais lorsqu'il se retrouve là maintenant, lui, il est humain. Maintenant, le divin qui agit à l'intérieur de lui là maintenant, pour faire marcher les paralytiques, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Le divin qui agit, la main invisible qui agit derrière la main qu'il va étendre et dire qu'au nom de Jésus, reçois ton miracle. Sa main là, mais la main invisible qui va agir derrière sa main, cette main invisible là, lorsque cette main invisible agit, là maintenant vraiment nous parlons de l'onction. Et ma prière en ce moment est que qu'il y ait une main invisible qui va commencer à agir derrière ta main. Lorsque tu vas te retrouver devant un malade, tu prieras, tu vas juste étendre ta main comme ça et cette malade sera guérie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta main qui va guérir, mais c'est la main invisible qui est derrière ta main qui va guérir ces paralytiques vraiment ou cet homme qui est malade. Si tu crois avec moi, tu dis dans les commentaires Amen et nous allons avancer. Je donne une dernière définition pour cette soirée et nous allons vraiment passer à des grandes choses. Je crois que j'ai beaucoup d'histoires à dire et beaucoup vraiment d'histoires à enseigner à ces propos. J'ai parlé de l'onction. L'onction. L'onction et les revêtements. La dernière définition. L'onction et les revêtements. L'onction et les revêtements de la puissance du Saint-Esprit en nous. L'onction est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit en nous. Je répète encore cette définition. L'onction est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit en nous. Donc cela veut dire que nous avons une puissance. Et cette puissance-là pourra servir seulement dans le rayon que nous pouvons nous retrouver qui doit agir avec cette puissance. Que nous avons une puissance qui doit agir. Alors vraiment, cette puissance-là doit agir. Mais lorsque je parle d'un revêtement, cela veut dire que cette puissance, il y aura un moment donné que ça va s'affaiblir. Il y aura un moment donné que cette puissance ne va pas agir comme elle agissait. Il y aura un moment que cette puissance ne va pas opérer comme toi, tu le souhaites que cette puissance puisse commencer à opérer. Et là, maintenant, nous parlons des revêtements de la puissance du Saint-Esprit. Je crois que vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre. J'aime beaucoup l'intervention du pasteur Benny Hinn dans son livre « L'onction et la puissance divine ». On lui pose la question à lui demander que Benny Hinn, quelle est la chose la plus importante que tu as dans ta vie?
On lui pose la question en lui disant que quelle est la chose la plus importante que tu as dans ta vie? Et j'aime beaucoup la réponse de Benny Hinn. Il dit, l'onction est la chose la plus importante que j'ai dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a dit, l'onction, à la place où je suis aujourd'hui, c'est l'onction qui m'a mis à cette place-là. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel, c'est pas moi, la famille, la fortune de la famille. Mais il a reconnu en disant que à la place qu'il est là, c'est l'onction qui l'a mis à cette place-là. Et j'aimerais décréter et déclarer vraiment dans ta vie aujourd'hui qu'à partir de maintenant, l'onction que tu as puisse t'ouvrir des portes, puisse ouvrir de nouvelles choses, puisse t'amener à la place que tu as toujours voulu être. Si c'était moi, j'allais écrire dans le commentaire, je reçois, et j'allais recevoir quelque chose. Ok. Il y a quelque chose que j'ai voulu que nous puissions partager ensemble, quelque chose vraiment à retenir. Il y a plusieurs types d'onctions. Il y a plusieurs types d'onction, autant qu'il y a plusieurs fonctions dans le corps du Christ. L'une de combats qui étouffe la capacité de ma génération, c'est parce qu'il y a un combat de l'onction. Tout le monde veut faire comme tout le monde veut opérer comme tel. Vous voyez un peu. Donc, il y a un combat vraiment des générations. L'onction, autant qu'il y a plusieurs fonctions dans le corps du Christ, autant qu'il y a plusieurs fonctions à exercer dans l'Église, autant qu'il y a plusieurs fonctions à exercer dans le corps du Christ, il y a aussi plusieurs types d'onction qui doit accompagner la fonction ou la mission que nous voulons faire. Donc cela veut dire que chacun a, je dirais, a quelque chose de particulier dans sa mission, a quelque chose de particulier dans son onction, parce que l'onction est liée à la mission. L'onction est liée, je n'ai pas dit que l'onction est la mission, non. L'onction est liée à la mission. L'onction est liée au mandat. L'onction est liée aux choses, à la mission que l'Éternel nous envoie, au mandat que l'Éternel nous donne pour opérer sur terre. Raison pour laquelle il y a des gens que l'Éternel a appelés pour des nations. Il y a des serviteurs de Dieu, que les servantes de l'Éternel, que l'Éternel a appelé, a donné le mandat d'opérer dans le don de la guérison divine. Et toi, l'Éternel t'a donné le don, l'onction d'opérer dans la parole de sagesse. Donc, vous ne pouvez pas commencer à vous combattre ni à commencer à essayer de vous mesurer. Parce que autant qu'il y a plusieurs fonctions, plusieurs ministères, autant qu'il y a plusieurs dons, c'est comme ça qu'il y a plusieurs types de l'onction. Je commence à parachuter là, afin que tu comprends quelque chose. Autant qu'il y a plusieurs types d'onction, nous retenons vraiment que nous avons des manières de qualifier, je pourrais dire ça, de qualifier l'onction. Nous avons d'abord chez les hommes ou chez les humains, et nous avons chez les divins. Chez les divins. Et je vais partir d'abord chez les divins. Je vais parler seulement d'une chose et nous allons vraiment prier. Je suis sûr que le vendredi, nous avons encore notre live. Et là, vraiment, je vais parler chez les humains. Là, nous allons entrer en détail et tu vas comprendre quel type d'onction que tu as et comment activer, comment opérer, comment mettre en marche l'onction que toi, tu as. Nous allons aller chez les divins. Chez les divins, nous avons des types d'onction que je vais toucher juste, un seul type d'onction et nous allons vraiment prier. Chez les divins, nous avons des types d'onction.
Premièrement, nous avons l'onction de Dieu. Juste l'aider. L'onction de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. L'onction de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. L'onction de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. L'onction de Dieu, vous pouvez le voir dans l'Ancien Testament. Vous pouvez voir que l'onction était considérée comme une huile réservée à une catégorie de personnes préalablement initiées. Je dis que l'onction dans l'ancienne alliance, et l'Ancien Testament était considérée comme une sorte d'huile, une sorte d'autorité, une sorte de puissance, mais réservée à une catégorie de personnes préalablement initiées. Vous pouvez le voir, l'onction était réservée, cette huile était réservée au roi. Vous pouvez voir même lire dans Lévitique le verset 8 et le chapitre 8, le verset 30. Lévitique, le chapitre 8, le verset 30, vous allez voir que Moïse oignit Aaron et ses fils. Moïse oignit Aaron et ses fils. Pourquoi est-ce que Moïse n'a pas donné, n'a pas offert, n'a pas pris l'onction et oindre tout le monde? Il a oint seulement Aaron et les fils d'Aaron. Parce que c'était des personnes qui étaient réservées, qui étaient préalablement initiées à exercer la sacrificature. C'est pourquoi eux ont reçu l'onction, mais pas tout le peuple israélite n'ont pas reçu l'onction. Vous pouvez encore le voir dans les sacrificateurs consacrent Salomon dans la tente. Le sacrificateur ont consacré Salomon. Vous allez le trouver dans 1 Roi 1, 39. Vous pouvez voir même dans 1 Roi 19, le verset 16, où comment est-ce que le sacrificateur était en train de oindre le prophète. Pour te dire que l'onction dans l'Ancien Testament était réservé à une catégorie de personnes. Était réservé à des personnes qui étaient préalablement initiées, destinées à faire quelque chose. C'était des personnes à qui recevaient l'onction. Et nous sommes toujours vraiment chez les divins. Là, j'ai parlé de l'onction de Dieu. Là, j'ai parlé de l'onction de l'Esprit. L'onction de l'Esprit, c'est l'onction que nous pouvons voir dans le Nouveau Testament. L'onction dispensée par le Saint-Esprit pour un mandat, une fonction ou une mission. L'onction de l'Esprit, c'est cette capacité surnaturelle, comme je l'ai définie. C'est cette puissance, c'est cette autorité donné que le Saint-Esprit offre, dispense, que le Saint-Esprit est en train de dispenser pour un mandat, une fonction ou une mission. C'est ça qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. J'aime beaucoup l'une des phrases que le prophète Joël a toujours dit, le prophète Joël Francis Tatou, il a toujours dit que l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais l'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est la phrase qu'il a toujours dit. Que l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais l'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance. Je ne suis pas là-bas vraiment juste se rappeler de lui. Mais pour finir, pour aujourd'hui, je vais clôturer par les livres de Jean. Chapitre 14, le verset 16. Jean, chapitre 14, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom.
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais quand le consolateur viendra, vous rappellera toutes choses, pour vous dire que l'onction du Saint-Esprit a été dispensée. L'onction du Saint-Esprit a été Jésus-Christ de Nazareth, comme nous le célébrons toujours, et nous sommes vraiment très fiers de nous retrouver dans cette famille du christianisme ou dans cette famille des chrétiens à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Alors lui qui était venu nous apporter la grâce, parce que la loi était venue par Moïse, mais Jésus est venu nous annoncer et nous apporter la grâce. Alors, lui qui était venu ouvrir le voile, la Bible dit, lorsqu'il poussa les cris de l'enfantement pour enfanter l'Église, pour enfanter toi et moi, la Bible dit que le temple, les rideaux, le voile qui était dans les temples, qui séparait les lieux saints et les lieux très saints, se déchira en deux. C'est des voilà pour dire que le chose qui était réservée à une catégorie de personnes, maintenant là, ces choses, toi aussi tu peux les faire. Donc le Saint-Esprit est venu dispenser l'onction. L'onction n'est pas réservée seulement à des personnes qui ont été préalablement initiées. Pour dire le prophète, le pasteur, les gens seulement que l'Éternel peut opérer avec eux. Mais l'onction a été dispensée. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Même toi qui me suis là, tu as besoin de l'onction. Maman, vraiment, pour bien gérer ton foyer, tu as besoin de l'onction, de cette capacité surnaturelle. Mon frère, tu as ton entreprise, tu as besoin de cette capacité surnaturelle qui pourra t'aider à diriger ton entreprise. Ma sœur, toi qui chantes, tu as besoin de l'onction pour amener la différence dans cette génération. Et ma prière pour cette soirée, je crois que la personne qui sont connectées et les personnes qui vont suivre ces directs après, ils vont recevoir quelque chose d'unique qui va faire la différence, qui va donner la différence dans cette génération. Les gens peuvent dire que l'onction fait la différence. Ce qui ne fera pas la différence, ce n'est pas ta beauté. Ce qui ne fera pas ta différence, je suis désolé, mais ce n'est pas la manière qu'on pourrait te coiffer. Ce qui fera ta différence, ce n'est pas la manière dont tu t'habilles. Parce que les habits que tu pourras payer, il y a beaucoup de gens qui l'ont payé. Ce qui fera ta différence, c'est cette capacité surnaturelle que tu auras en toi qui te permettra de faire certaines choses que une catégorie de personnes ne peut pas le faire. J'aimerais que là où tu es, que tu saches que tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Et c'est indispensable pour toi. Tu as besoin de l'onction pour évoluer. Tu as besoin de l'onction pour faire la différence. Tu as besoin de l'onction pour gérer le membre de ta famille. Tu as besoin de l'onction pour réussir dans ta vie. Tu as besoin de l'onction dans ta vie afin de pouvoir vivre le surnaturel de Dieu tant que tu es encore sur terre. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction afin de pouvoir opérer avec la main invisible de Dieu qui va opérer derrière ta main qui est visible. Qui va opérer derrière ta main qui est visible. Qui va opérer derrière ta main qui est visible. Qui va opérer derrière ta main qui est visible. Qui va opérer derrière ta main qui est visible. Oh Jésus. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Nous voulons prier juste dans peu de minutes. Mais j'aimerais que le Dieu de gloire, à travers ce direct, puisse te donner une capacité surnaturelle. Puisse te donner l'onction. Puisse te oindre. Puisse te donner cette huile qui va se déverser sur toi et qui va te donner cette capacité, qui va te donner des lumières. Tu vas commencer à comprendre autre chose que tu ne comprenais pas.
Même les Écritures, tu auras des révélations que tu ne pouvais pas avoir avant. Même lorsque tu vas commencer à prier, tu vas entrer dans la profondeur avec Dieu comme tu n'arrivais pas à entrer avant. Même lorsque tu vas commencer à te retrouver avec des personnes, on voyera que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance. À l'intérieur de toi, il y a une huile. À l'intérieur de toi, il y a une capacité surnaturelle qui permettra à ce que lorsqu'on va amener un paralytique devant toi, ton voisin va échouer de le faire marcher, mais toi, tu feras marcher ces paralytiques. Oh, j'aimerais que là où tu es, tu vas prier. Le Père de grâce puisse commencer à te donner l'onction, puisse commencer à revêtir l'onction que tu avais en toi, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu que je sers, le Dieu de mon Père, mon Pépé Asika, que je salue, puisse encore te visiter, puisse te faire du bien, pour que tu puisses voir des histoires qui est au-delà de ce que tu pouvais voir. Vous savez, l'onction amène les choses nouvelles. L'onction amène des histoires que nous n'avons pas expérimentées, que nous cherchons à expérimenter avec la chair qu'on ne peut jamais voir. Mais l'onction amène ces capacités-là. L'onction nous amène au-delà. J'aimerais que là où tu es, ma prière, à ce que l'Éternel commence à t'offrir, à te donner cette onction. Que l'Éternel commence à te visiter dans cette nuit même d'aujourd'hui. Que tu puisses expérimenter Dieu. Que tu puisses expérimenter le surnaturel. Que tu puisses expérimenter l'onction. Que l'Éternel puisse te donner ce qu'il a réservé pour toi. Que l'Éternel puisse te donner ce qu'il a réservé pour toi. Je connais quelqu'un, lorsqu'il s'est croisé avec l'onction divine, cette onction qu'il a croisée a transformé toute sa vie. L'onction que tu vas avoir, c'est ce qui transformera ta vie, qui va t'aider dans la mission, qui va t'aider dans le mandat, qui va t'aider dans ta vie chrétienne, qui va t'aider dans toutes les choses que tu entreprends, que tu sois entrepreneur, que tu sois chef d'entreprise. Sache que l'onction va t'aider à gérer ton entreprise. L'onction va commencer à te pousser à dire avec là, je sens que je dois aller à droite parce qu'à gauche, il y a des pièges. L'onction va commencer à te conduire en te disant non, là, je vois que je dois sauter. Parce qu'on a déjà creusé un trou pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette soirée? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose dans cette soirée? Je crois que le Dieu de gloire, je crois que le Dieu d'Israël, je crois que le Dieu Tout-Puissant puisse commencer à te donner l'onction, puisse commencer à te visiter où tu es, puisse commencer à te visiter où tu es, puisse commencer à te visiter où tu es. Puisse commencer à te visiter où tu es. Oh Nagas. Oh Nianis. Puisse commencer à visiter ta vie où tu es. L'onction puisse t'amener au-delà de tout ce que Dieu. Au-delà de tout ce que toi, tu pensais opérer avec Dieu, mais que l'onction puisse t'aider à arriver dans la dimension que toi tu souhaites opérer. L'onction va te faciliter. Oh Jésus. Nora Neglat. Soi Vari Glenevas. Oh my God. Que l'Éternel commence à te visiter où tu es en ce moment. Que l'onction de Dieu puisse descendre sur toi. Ma prière est que l'onction divine puisse affecter ta vie, que tu
que tu sois transformé. Je me souviens lorsque le roi Saül s'est rencontré avec le prophète Samuel. Le prophète Samuel lui a dit que l'Éternel t'a choisi. Il a répondu en disant que mon tribu c'est le plus petit. C'est le plus petit. Mon tribu de Benjamin, c'est le plus petit de la maison d'Israël. Et moi, je ne suis que le plus petit dans ma famille. Mais l'onction l'a choisi. Lorsque le prophète Samuel l'avait donné l'onction, avait déversé sur lui l'onction, la Bible dit, le prophète Samuel lui dit que tu sortiras ici et tu vas rencontrer une nouvelle revêtement de la puissance. Une nouvelle revêtement de la puissance. Et il a dit que lorsque tu sortiras ici, tu vas te rencontrer avec une garnison de prophètes. Et tu passeras dans une garnison de prophètes. Et tu rencontreras un troupe de prophètes descendant du haut lieu qui sera précédé par les instruments. Qui sera précédé par les instruments. Et le prophète Samuel lui dit que l'esprit de l'Éternel te saisira. Il ne s'est pas limité là seulement. Il dit que tu seras transformé à un autre homme. L'onction que tu as ne doit pas seulement t'affecter. Ne doit pas seulement te faire tomber, te pousser, te donner la capacité d'opérer, de prophétiser, de faire des miracles. Mais que l'onction qui est en toi puisse te transformer. Que l'onction qui se trouve en toi puisse te transformer. Que tu sois changé à un autre homme. Et je suis parmi les personnes qui croient aujourd'hui, là maintenant, que tu seras transformé après ce live, après ce direct. Les gens qui te verront diront que ce n'est pas toi, c'est une autre personne. Les gens qui te verront diront que ce n'est pas toi, c'est une autre personne. Parce que l'onction qui se trouve en toi va te transformer. Et c'est là, ça commence à partir de cette nuit. Oh, Rano Glad. Sur Emeni Veni Place. Ernetla no Reveni Vas. Lura Naina Veni Glad. Sume Naivari Glad. Oh, Jesus. Menoya Vanu Sevas. Lure Meni Veni Plore Glas. Erta no Seveni Gras. Lure Plo Veni Veni Plore Gras. Lure me paia fustali cheveni gras. Lure meni veni gras. La sorix. Nore ne gras ou ne veni plone graia. Lira nu se no veni clere ne vare. Sunes na inovaras. Lodra su veni perisa. Taro na ita vera. Lura su ne veni keri. Sa parvaria. Lutrezo pe veni clereze veni gras. Interno glas super veni gras. La rossi alia. Sone veni prado de gras. Luce meni venens. Lin venit sfaidera. Lotaro se veni proda. Lidere se veni clera. Sunes naine veni gra. Oh Seigneur, Saint-Esprit, commence à transformer nos vies. Commence à transformer. Que toute personne qui suit maintenant et qui va suivre après ce direct, que l'onction de Dieu lui transforme. Que l'onction, cette capacité surnaturelle, puisse briser le mauvais chose en lui. Puisse lui détacher de certaines choses que le diable avait. Oh, Rano Sevenia. Ça par malache. Ezatazuze vazaraita, soumere veni clorevasia, or meni veni plora nos grâces. Ô Seigneur, que le Saint-Esprit puisse commencer à transformer sa vie, puisse commencer à transformer. S'il va suivre maintenant, s'il va suivre après, ne lui laisse pas au Saint-Esprit seulement comme ça. Que l'onction puisse commencer à transformer cette personne, puisse commencer à transformer cette Oshineneka. Lourdes veni pleurer, oh Sega. Puisse commencer à transformer cette vie. Puisse commencer à transformer cette personne. Puisse commencer à changer cette vie. Puisse commencer à changer son ministère. Puisse commencer à changer sa façon de chanter.
puisse commencer à lui donner un cœur nouveau. Lui qui a reçu des blessures, que l'onction ne puisse pas seulement lui servir, seulement à opérer, mais que ça puisse transformer. Laura saute sous Brenegrira. La rose négla pour des grâces. Ira lousse noveni. La chide si avara. Oh, que cette onction puisse lui servir, puisse agir en lui, qu'il soit transformé. Et cela au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que des vies soient transformées, que des choses soient changées, que des situations changent, que des choses soient bouleversées, que tu témoignes la grandeur, que tu témoignes la merveillosité de l'Éternel. Et cela, je le crois en disant Amen. Oh, Jesus. Merci vraiment beaucoup à vous tous qui étaient branchés. Et je crois que l'Éternel nous fait énormément du bien. Merci même à vous tous qui va suivre les lives après. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu que je sers, vous bénit abondamment. Jusque n'arrêtez pas de partager nos directs. N'arrêtez pas d'inviter vos contacts à aimer cette page. Et je crois que le vendredi, ça n'était que l'introduction. L'introduction de mon message afin que toute personne puisse se retrouver. Mais le vendredi, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et là, vraiment, nous allons parler. Et les hommes spirituels, les hommes de l'onction, je crois qu'une femme de l'onction, de femmes spirituelles vont comprendre ces choses. Et ça sera vraiment très glorieux. Je te remercie, toi qui étais ensemble avec nous. Je crois que la situation que tu as grâce à ces lives puisse changer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis Amen. Je dis Shalom. Merci vraiment.